2, 3. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog parce que je sais que vous aimez ça. Je suis équipée là, j'ai la petite perche, le téléphone parce que vous avez été nombreux à me dire que c'est une bonne qualité. Je me dis bon, c'est facile avec le téléphone. Je pense que vous avez entendu les cris. Je pense que vous avez entendu. Et oui, les manèges m'ont manqué depuis Disney et j'adore tester les parcs d'attractions. Aujourd'hui nous sommes où? Walibi. Et oui, nous sommes venus, on ne le savait pas, c'est nos parents qui nous ont fait la surprise. Hein, Myron? Ouais. Ils nous ont fait la surprise parce qu'on est venu en camping-car jusqu'à près de la Savoie et j'étais pas du tout au courant qu'il y avait Walibi. Et rien que de voir les attractions, il y a des attractions de folie. Il y a des attractions où ça monte comme ça et que ça redescend comme ça. Bon, c'est qui peut du masque? Moi, j'ai mon acolyte des manèges à sensation. Es-tu prêt? Sauf la tour de la terreur. Il y a une tour en fait, il veut pas la faire, je vais vous la montrer. Sauf ça. Le reste, oui. Mais t'es prêt quand même? Je suis prêt, à te surpasser, tu vas tout faire? Ouais. Allez, on y va, c'est mardi. C'est une traumatisée, maintenant. Voici le plan du parc. Il est grand, hein? Et ça, c'est l'attraction qu'on a vue tout à l'heure qu'on va absolument faire, le Chimber. Il y a 29 attractions, il me semble, à vérifier. Mais t'es content, Myron? Ouais. Est-ce que j'ai le style avec ma casquette? Oui, tu as le style. Bon, on va aller faire Timber, ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'attraction qui ressemble un peu en bois au train à mine. Il n'y a que 15 minutes, vraiment les temps d'attente, c'est genre 15 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Disney, c'est le plus, c'est 50 minutes. Ah oui, non mais c'est pas du tout. Donc c'est cool, écoutez, on va en profiter. Et une heure et demie. Ah oui, une heure et demie, ouais. Bon, mais let's go! Regardez-moi cette attraction. Ça part en arrière tout en haut et ça revient et ça fait des loopings. Oh, j'ai tellement hâte de la faire. Tu le fais, Myron? Ah non. Qu'est-ce qu'il y a, papa? J'ai peur. Ça t'a effrayé? Ah ouais, c'est très bon. Du coup, ça. Bon, allez, on va faire Timber, on se retrouve après. Ah, c'est génial. Regardez ça! Bon, on vient de sortir. Myron, il a fait un cri aigu que j'ai jamais entendu. La descente. Moi, j'en ai mal dans la gorge. Ah ouais, la descente, elle est extrême par contre, vraiment. J'étais presque debout. Elle est pas potable. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est trop fraîche. Mais vraiment, la descente, ton ventre il remonte. Mais c'est génial, vraiment, je vous conseille. Mais ça secoue quand même, hein. C'est pas comme à Disney là. Hein. Ah ouais, c'est clair. Ah ouais, c'est clair par contre. Ah oui, là non, à Disney. Je les ai pris là. On a mis les pulls. Hein. On va faire le. Comment ça s'appelle? Je sais pas. Si on est dans un petit wagon, je vous dirai le nom à la sortie. Un petit wagon. Un petit wagon. Et ça, il y a des sensations apparemment. Filmer, là. On verra. Ah, c'est le wet stop. Ouais, bon, je dirai le nom à la sortie. Ah ben. C'est ce qu'on vient de faire là. Ils sont où? Bon, écoutez, on sort de cette attraction très déçu. C'était très déçu. Non mais si, parce qu'il n'y avait pas de sensation. Il n'y avait pas de sensation. En fait, c'est classé dans la liste sensations. Et il n'y avait pas de sensation. Et c'est très très brutal. C'est pas en fait. C'est pas notre tasse de thé. Ouais. On retourne à l'abreuvoir à chevaux. Mais ouais, c'est sûr que franchement, écoutez, c'est très très brutal. Allez, on y va, papa. Ah ouais, je suis pas là. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait peur. Ah ouais, là, on va crier. Regardez-les là-bas. Donc ça, il est en pleine hésitation. Il ne sait pas s'il va le faire ou s'il ne va pas le faire. Regardez comme c'est impressionnant ceux qui vont descendre. Genre deux là.
Il est en panique, il est en panique, les amis. Oh putain, comment on va le récupérer? Non, il veut pas, il veut pas. Surtout qu'après, tu peux m'aller. Ils sont rentrés là-bas dedans. On leur dira au revoir. Tu veux les voir, ils sont là. Il y en a. Ils font coucou là. Il va revenir les amis, mais alors là, alors, oh c'est bien papa, alors c'est vraiment génial, jamais. Mais le pire c'est là, en fait, c'est debout plus là, jamais, du stress, on était dans la liste, ça s'arrêtait plus, mais tu savais pas que ça s'arrête, t'as la tête déboussolée, là j'ai fait là. Bon, on s'est posé un peu, on vient de sortir du restaurant, en tout cas il était super bon. C'est, on a mangé à Quai 38 Restaurant. Voilà. Ah oui, mais attends, on va pas repartir là-bas. Je vous conseille vraiment, il est super cool, c'est une sorte de petite cafette, choisissez votre plat. Oh, il y a Mystique là-bas, regarde comme ça monte. Non mais ça monte comme ça. Oh. Et là on est de ce côté-là du parc, où il y a Mystique, la tour, et il y a les bouées aussi. Non mais... Oh. Comme ça descend. Qu'est-ce qu'il y a papa? Regardez sa tête. Il a l'attraction, fait. D'accord. Bon. Non, ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Donc voilà, bah, écoutez, on va voir. Et en tout cas, c'est super bien qu'on puisse se poser comme ça, dans l'herbe. Enfin, c'est hyper cool. J'adore, c'est trop beau. Oh, vous avez vu comme c'est coloré? Non, mais c'est un village. Oh, c'est hyper beau. Donc on est dans un land un peu, je sais pas. Louisiane. Oh, ça, c'est trop beau. Wow, on va faire une photo là, regardez comme c'est trop beau. Je crois qu'on va faire ça. L'attraction 100% verticale, Mystique. Yes. Ah, Meji, ça va? Tu le fais pas? Ça va pas? Ils ont peur, ils ont peur. Mais non, mais tranquille. Ça s'arrête pile là. Dans l'éclair où t'es en arrière. Et après ça refait le manège. Ah non, mais j'hallucine. Ah non. Ils sont là. Je les vois. Oh non. Oh pétard, ils sont au milieu les amis, regardez. Oh pétard. J'attends, tu veux. Je l'entends crier, les amis. Oh non. Bon, on ressort alors papa. Mieux que l'autre, ouais, mieux que l'autre, on a adoré, vraiment. C'est vraiment plein de sensations. La montée, elle est impressionnante. De monter droit comme ça, mais c'est génial. Et l'endroit cassé, en fait, on monte hein, là-bas. Et j'ai eu trop peur parce que je croyais qu'on allait continuer. Enfin, c'est génial, quoi. Vraiment à faire pour ceux qui aiment les sensations fortes. Bon,
On s'est posé. La chaleur, c'est... comment vous dire, c'est... c'est atroce, voilà, t'as trouvé le bon mot, c'est atroce, on s'est posé et on va attendre le spectacle, on va aller voir le spectacle Les Plongeurs de l'Extrême qui a l'air d'être un bon spectacle, mais heureusement qu'on a les improvisateurs de Mams Mirkus. Donc comme je vous le disais, on est rentré de Walibi. C'était vraiment super cool. Par contre, on est rentré vers 4h30, il me semble. Oui, 4h30, parce que la chaleur, c'était... Là, l'après-midi, on n'en pouvait plus encore. Le matin, on a bien profité, mais l'après-midi, c'était... C'est pour ça qu'on a fini avec le spectacle et après, on est parti, parce que c'était vraiment hyper fatigant. Et c'est pour ça qu'on est rentré. Mais sinon, c'était super cool. Mon attraction préférée, je pense que mon coup de cœur, c'est Mystique et Timber. Mystique, elle est géniale. Bon, c'est vraiment sensation forte. Et Timber, c'est aussi une attraction à sensation forte. Vraiment, ça va hyper vite, mais à faire en famille, je trouve. Vraiment, la descente, elle est super cool. Et franchement, ce parc d'attraction, il n'est pas très cher. Je crois que l'entrée, c'est 34€ pour les adultes. Enfin, c'est pas du tout cher pour passer une journée. Et il y a quand même une trentaine d'attractions. Enfin, franchement, là, on n'a pas... tout fait du coup, il me manquait plein de trucs, c'était quand même pas mal, mais c'était super cool. En tout cas, je vous le recommande. C'est quelqu'un qui joue de la musique, bon, mais voilà. En tout cas, je suis super cool. Là, je lis mon livre Campus tome 6. Regardez tout ce que j'ai lu déjà. Voilà, et je vous reprendrai. J'aime bien les vacances. Maman, elle fait son montage. C'est là le vlog, le deuxième vlog. Épisode 2. Épisode 2, c'est une série. La famille en vacances. Et moi, j'ai fini le tome 6 hier, que je t'en train de lire. Et du coup, j'en suis au tome 7. C'est juste génial. Vraiment, je les dévore. Et c'est des livres tellement faciles à lire que ben, je les dévore. Donc voilà, là, je suis au soleil, je bronze. Et c'est génial. Aujourd'hui, on va rester au camping, je pense. Hein, et de... profiter un peu du camping, profiter, se reposer et tout. Et demain, je pense qu'on ira au lac. Voili valou. Salut Bixus. Attends. Bon, on se retrouve le troisième jour. Salut Myron. Salut. Il joue à la DS et là, on attend que... on va pas tarder à manger, donc on est le troisième jour et finalement nous allons repartir lundi. Voilà, hein, Myron? Ouais, et tu sais pas où on va? Je sais. Et oui, je sais où on va, mais je te le dirai pas. Donc voilà, c'est une surprise, donc je vais pas vous en parler maintenant parce que ben, il est là. Je vais clôturer ce vlog ici tout simplement parce que les prochains jours. Je vais pas spécialement vlogger. Mams Mirkus le fait aussi sur sa chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mets sa chaîne YouTube juste ici. Et dis-moi en commentaire si tu veux la night routine dans le camping-car. Parce que j'ai fait la morning routine chez moi. Je me dis pourquoi pas faire la night routine pour que vous voyez un peu comment je fais et tout. Et je recommencerai à vlogger dès lundi parce que nous allons à la destination surprise. Tu n'as pas d'idée? Tant mieux parce que c'est une surprise. Donc voilà, je recommencerai à vlogger ce jour-là. Je vous fais d'énormes bisous. Bye bye, team étoile.